Vous avez suivi ici que depuis 2017, l'Afrique n'a plus organisé de championnat au niveau donc du continent. Et vous savez aussi le manque de quantité de compétition peut faire régresser la boxe au niveau de l'Afrique. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, le Congo-Brazzaville a repris avec les championnats de la zone l'année dernière à Kinshasa. Et Dieu merci, par bonheur, cette année aussi, le Congo-Brazzaville est venu au championnat de la zone au niveau de Kinshasa. Pour le reste, le travail se fait et nous pensons que nous allons être représentés au niveau de Maputo pour les championnats d'Afrique de cette année-ci. C'est un travail de longue haleine. On a été d'avancer, nous venons d'arriver, ça nous fait une année et demie. Il faut un grand travail, c'est un challenge et nous sommes là-dessus. C'est la formation. En ce qui concerne notre pays, le Congo-Brazzaville n'a aucun juge arbitre international, n'a aucun entraîneur international. Les enfants, les athlètes ne peuvent pas avancer s'ils ne sont pas bien entraînés. Les athlètes ne peuvent pas avancer si les jugements ne sont pas impartiaux. Voilà, pour moi, la première préoccupation, c'est la formation des encadreurs. J'ai parlé des juges arbitres et des entraîneurs. Et la deuxième préoccupation, ce sont les compétitions à répétition pour mettre les athlètes à un niveau élevé.